Z, tout c'est parti pour la suite de cette aventure. Mon skill a évolué. Je vais essayer de jouer un peu plus souvent pour ne pas perdre mes mécaniques de jeu. Maintenant, je suis devenu le meilleur joueur. Et on va parler à ce monsieur. Bonjour monsieur. Tiens, je vous connais pas. Je m'appelle Bernard. Et je suis sans éclat tout comme vous. J'ai une question pour vous. Venez-vous dans l'entre-terre pour poursuivre le combat? Avez-vous toujours foi en la grâce qui nous guide? Malgré l'effondrement de l'ordre d'or, ma foi est inébranlable. Vous êtes un vrai sans éclat, et à ne pas douter. Ça me rappelle le bon vieux temps, et ses souvenirs sont plus précieux que jamais pour les temps qui courent. Que diriez-vous de reprendre le flambeau, d'apprendre le combat? Je ne sais manier que l'épée, mais je connais quelques bottes plutôt utiles. Il est temps pour moi de les transmettre, de préférence à un sans éclat vertueux comme vous. Vous êtes les meilleurs. Apprendre des compétences, mais non. À l'aide de la boutique, vous pouvez dépenser des runes pour acheter des compétences diverses et variées. Incroyable. Cendre de guerre en taille ascendante. Utilisable sur les épées, les haches, les en taille ascendante lourde. Octroie des affinités et des compétences d'armes. Ça c'est quoi? Coup de pied, en taille ascendante. Coup de pied, résilience. Octroie, ouais, ok, ok. Cri de guerre, ok. Cendre de parade, pas vif, utilisable sur toutes les armes de corps à corps. Ok, empalement. Je sais pas ce qui est intéressant. Ça c'est quoi? Ça c'est en vrai pas vif, ça me. J'ai envie de tester ça. Je vais tester ça, écoutez. C'est bon? À bientôt, à bientôt. Bientôt mon cher. Bon, nous étions là. Et nous allons repartir en quête de choses à faire. Coucou la mouette, comment ça va? Bon la mouette, je suis de retour sur ce jeu. Incroyable. Enfin, incroyable, je ne sais pas si vraiment incroyable, mais... On va essayer de se faire eux là. On reprend un peu des mécaniques simples. Voilà, eh monsieur, faut se calmer là. Aïe, aïe. Ok, bon, c'est le début, vous inquiétez pas, je... C'est assez drôle parce que mon skill a tout abaissé là très vite. Il m'a fallu une seconde pour tout perdre. Bah super. Alors la carte elle est où? Où dois-je aller? Oh ça m'intrigue ça. Vieillard de l'auberge. Vas-y on va, je pense qu'on va aller par là. On va aller à gauche et ensuite au truc on va aller à droite. Ah oui non mais déjà je vais aller récupérer mes points. Parce que c'est très important. C'est quand même mes points. Monsieur laissez-moi tranquille là. Laissez-moi récupérer mes points. Voilà, j'ai récupéré mes points. C'est déjà une très bonne chose. Waouh, waouh, waouh. Mais il est super chaud lui en fait. Pourquoi il est plus chaud que tout ce que j'ai connu là pour l'instant? Plus en fait il se bat en... Oh là là. Eh, j'ai frappé. Je vous jure, j'ai frappé. Ah j'ai 3 potions, pas mal. Bon vous savez quoi pour l'instant je vais pas m'en occuper. Bon ça on va aller directement là-bas. C'est clairement un jeu pour les gothiques qui portent des t-shirts Nirvana. Hein? Pourquoi tant de mal? Bon écoutez on va aller par là. Ça m'intrigue. Tiens on va aller se faire eux. Tranquille. Voilà. Petit coup dans le tas. Voilà. On va descendre de... Mince, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Comment on descend de la monture déjà? Non, mais je suis en train de prendre toutes mes potions, espèce de débile. Ah oui, c'est parce que j'étais pas sur le bon truc, my bad. Non, là, faut que je me réentraîne. Hop. Non, ça marche pas? J'essaye de me réentraîner à la parade. Boum. Boum. Voilà, ça c'est fait. Bon, boum, boum, boum. Voilà, ça c'est fait. Bon, c'était pas très worse en termes de potion. En fait, c'est juste le fait que la potion soit au même endroit
que pour monter à cheval, alors qu'il pourrait y avoir deux trucs différents. Ce serait tellement mieux. Ok, j'ai gagné une frappe frénétique. Attendez, il y a peut-être moyen de changer les... Monsieur... Ah, il me tire de tout là-bas, lui. Alors, attendez, parce que du coup, là, il commence à y avoir beaucoup d'hommes. On va passer en mode... En mode comme ça. Wow, mais monsieur... Aïe. Ouf, ça fait mal ça. Ouais, oh. Déconnez pas. Je suis pas là pour me battre. Enfin si, je suis... Quoi? Je suis mort par quoi? Par qui? J'ai pas compris. J'ai pas compris comment, pourquoi je suis mort. J'ai pris quoi là? J'ai l'impression d'avoir pris un tir de roquette de l'univers. Oh non, le seum. Bah attends, on va essayer de changer les touches quand même parce que c'est insupportable. Comment on fait pour changer les touches équipement? Hop. Hop. Faudrait que j'arrive à changer le truc. Inventaire. Tac. Laisser, détruire, utiliser, laisser, détruire, affichage, attendez je regarde, non c'est pas ça, changer affichage droite, non, non, vue simple, parcourir, ah ordre, type d'objet, non c'est pas ça, non, il n'y a pas moyen de changer les binds, statut, non, configuration, ça me paraît bizarre que ce soit dans configuration quand même. Non. Je trouve que l'HUD est vraiment pas du tout clair, je trouve. Après, c'est peut-être moi qui suis vraiment nul, hein, mais... J'arrive même pas à trouver l'endroit où on change cette fucking... toile-là. Quand je fais ça, là, ça change. Il y a des trucs qui changent. Toi, et là, il y a rien. Je peux peut-être changer quelque chose, ici. Prendre toutes vos runes et retourner... Aux... Non, 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 non. Je comprends pas. Comment on change cette fucking ce fucking truc là. Il manque un truc pour être bon. Est-ce que tu sais comment? What? Il a disparu. Non, on me dit pas que je l'ai jeté hein. Non 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 non, ça peut pas se passer comme ça. Oh, je l'ai jeté. Mais ce jeu de merde! Comment je fais? Attends, c'est-à-dire que là, si je fais ça... Mais... Ah, c'est raccourci, ça. Mais il est forcément en quelque part, là. T'as acheté une PS5 et... Mais qu'est-ce qu'il me raconte avec ton FF7? J'ai pas FF7! Attends, mais là, c'est impossible. Ah, il est là, ok. Comment je fais pour l'assigner? Vue simple, trier, parcourir. Moi je veux juste... Ça c'est quoi? Laisser détruire, laisser quantité, machin. Ouais, ok, ok. Ah, cette épée est mieux. Si on regarde les stats... Elle a juste un peu plus de critique elle, mais... Ah non. Ok. Plus 115, plus 110. Non, l'autre est mieux en fait. L'anneau du cheval, il peut pas être changé de place. D'accord. Mais du coup, là, je l'ai plus du tout, donc... Il n'y a pas vraiment de... Je sais même plus où il est en fait. Il est là. Utilisé. Sauf que là, du coup, je l'ai plus en compétence. Je l'ai plus en compétence, donc il y a bien un endroit, un putain d'endroit pour bind les touches. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi ce jeu il est à chier là? Je comprends pas. Ah, ça doit être ça. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, mais non, ça c'est la sacoche. C'est. À moins que ce soit ça.
Ouais, mais c'est... ça a pas de sens. Toi là, il apparaît pas. Pourquoi? Pourquoi les autres apparaissent et pas lui? Moi, je m'en fous de ça. Retirer. Non, j'ai dit retirer. Ok, il veut pas. Donc c'est quoi pour retirer? C'est ça? Ok, c'est pas ça. Parce que c'est Gotti. Mais c'est pas intuitif, ça m'énerve. Il est où l'endroit? Il y a pas 36 menus. Il y a pas 36 menus, c'est ça le pire. Genre il y a pas un endroit genre équipement. Salut, dans le menu équipement, tu as deux endroits. Attends, dans le menu équipement, tu as deux endroits. Tu as là où tes potions et tout, tu peux mettre jusqu'à 8 objets et à droite dans ta cloche, c'est un menu en plus si tu maintiens Y. Oui, ça je suis d'accord. Mais comment ici je mets... Ah, juste comme ça? Mais comment je sais raccourci? Ah, faut connaître par cœur le raccourci. Parce que là, si je fais ça... Il est passé où, du coup? Non. Ok. Donc c'est-à-dire que le truc, je peux pas le mettre au-dessus, quoi. C'est soit potion, soit machin, mais je peux pas le mettre au-dessus. C'est quoi cette merde? À moins que c'est... Tête... main gauche, poitrine, bras. À moins que ce soit ça, talisman. Objet de raccourci 7. Les objets en raccourci sont dans le même ordre que dans la fenêtre. Oui, je vois. Du coup, je commence à comprendre. La question, c'est quel est l'emplacement au-dessus, quoi. Parce que là, je vois que ça, c'est sans arme, sans arme, sans arme. Arme, main droite, flèche 1, flèche 2. Arme gauche, droite. Mais du coup, je vois pas l'autre. Parce que si j'enlève celui-là, par exemple, imaginons, lui, je veux l'enlever. Pour ça que le cheval, moi, je mets plutôt sur mon raccourci en Y. Ça m'évite de mélanger les pinceaux avec les potions. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire, du coup. Ce jeu, il est très bizarre, je trouve. Il est très bizarre. Et du coup, attendez que je me rappelle comment on fait. Faut que j'aille dans inventaire, que je fasse ça. Non, c'est même pas ça, je sais plus la touche. Et là, normalement, si je fais. Eh merde. Ok. Ouais, ouais, je sais pas, je suis pas encore. C'est sympa, mais on n'est pas encore sur de la rapidité folle, quoi. Parce que du coup, si je veux descendre, faut que je fasse triangle plus gauche. Ça me plaît pas, en fait. Déjà, ce truc-là, j'ai pas envie de l'avoir. Je sais pas ce que c'est, donc on va l'enlever. On va juste le remplacer par... par ça. Et là, normalement, si je fais triangle haut, je peux descendre. Bonjour, monsieur. Ok, bon. Objectif, reprendre le stuff. Et pour descendre plus rapidement le choix, c'est L3. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Oui. C'est vrai que... Oh là, oh là, eh oh, monsieur! Mais monsieur! Oh là là là! Eh, faut pas que je meure en plus! Attendez. Non, faut pas que je meure parce que faut que je récupère mon stuff avant. J'avais dit que le jeu était nul, hein. Bah, je sais pas, les binds sont... Bah, après, faut les avoir, les binds, hein, mais... Moi, je voulais juste le mettre au-dessus, toi. Juste faire triangle et je peux monter sur la monture et descendre de la monture, toi. Ok. Ok. Laissez-moi tranquille. Je déconne grave. Moi, je veux juste reprendre mon stuff, hein. C'est vraiment l'objectif 1. C'est reprendre le stuff. Vu que je me suis fait des pop. Attendez, il est où mon stuff? C'est la question.
Où est-il? Ok, il est là mon stuff. C'est drôle parce qu'il est pas là où je suis mort. Il doit être dans une zone un peu plus safe que là où je suis mort. Voilà, mais ils sont ultra vénères. Attendez, faut que je reprenne un peu mon skill. Oh là là. Oh là là. Monsieur, faut mourir. Voilà, un petit coup. Deux petits coups. Trois petits coups. Faudrait que je reprenne une potion en fait. Ok, ça c'est fait. Oh monsieur, monsieur. Quoi? Mais c'est pas possible! Truc de ouf ça! Bon, j'ai gagné une potion de vie, heureusement. Sinon, on est dans la merde. Parce qu'en fait, j'aimerais bien aller là-bas, dans le château là, ça m'intrigue. Mais ça a l'air compliqué par là. Ça a l'air très compliqué. De toute façon, moi j'ai dit que je jouais qu'à cheval, donc on va monter à cheval, hein, tout simplement. Hein. On va monter à cheval. Mais what? Qu'est-ce qui balance des boules de feu comme ça là? Ah, mais d'accord, il y a vraiment une baliste en fait. C'est super dangereux. C'est super dangereux en fait. Ok, donc là je suis rentré à l'intérieur. Ah oui, d'accord, et à l'intérieur t'as pas le choix. T'es forcément. Non, non, non. Wouhouhou. Boum, voilà. Tu as tâté mon arme. Boum. Ah bah voilà, on y arrive beaucoup mieux, parade là. Voilà. Ok, les mecs sont derrière. Bah en vrai ça m'intrigue à l'intérieur. Donc je vais y aller. Hein. Et du coup là je peux pas être à... Ah, il y a un truc à gauche. Un petit point de respawn. Voilà, j'ai retrouvé une grâce. Du coup on va pouvoir se reposer. Monter le niveau. Ok, j'ai passé des graines de toute façon. On va essayer de monter de niveau. Est-ce que j'ai assez pour monter d'un niveau? Même pas. Il faut 1882 et je n'ai que 1529. Bon, bah écoutez, on va continuer. Hein. On va continuer. Qu'est-ce qui va m'arriver ici? Oh, ça sent pas bon ici, je sais pas pourquoi. Vous sentez le boss là? Ou un truc, ou. Vu le nombre d'épées là? Oh, cinématique! Qu'est-ce qui va se passer? Infâme sans éclat. Oh, il a l'air sympa lui. Rapide coucou, guerrier torse nu. Coucou Darga, comment ça va? Oh, lui il a pas l'air très gentil lui. Lui c'est un boss lui? Oh punaise! Ah ouais, mais je suis mort là. Je suis censé me battre contre ça là? Quelqu'un doit étouffer ta flamme. Flamme doudoune. C'est le devoir de Margui le déchu. Ah bah super. Donc Margui le déchu, c'est le premier boss? Ok, premier boss du jeu. Wow. Wow. Oh bah ça va, c'était... j'ai pas eu trop le temps de voir comment il jouait le boss. Oh punaise, ça mérite un clip. En vrai Darga, si tu peux faire point d'exclamation clip, je pense que ça mérite quand même un clip. Traverser le brouillard. Ok, ok. Est-ce que je peux monter sur ma monture? Moi je veux juste reprendre mon stuff s'il vous plaît. Attendez... Aïe. Aïe.
C'est bon, j'ai repris mon stuff, ça me va. Oh, il a pas l'air très gentil lui hein. Ok ok, vas-y, on prend la vision pour l'instant. Pour l'instant ça va, voilà. Voilà. Aïe aïe aïe. On prend une petite potion. Ouais, il a l'air énervé celui-là. Ce fut un combat intense, mais bref. L'aventure Elden Ring se poursuit, j'ai enfin compris les touches. Aïe aïe. Coucou Nick Nuck. Ok ok, je... La fiole hein, pour restaurer. Comment on utilise les PC surtout, enfin les puissances? C'est seulement au moment de faire des parades ou attaquer par derrière, c'est ça? Non mais j'utilise une potion là, ça va pas. Yo Skyline, comment ça va? Allez c'est parti, on se le fait. Sans l'épée, comme ça on court encore plus vite. Aïe, mais je pensais pas qu'il allait me retourner comme ça là. Je rigolais. Bon, c'était pas ouf. J'avoue que c'était pas ouf du tout. T'aimes pas les armures que... Ben, on m'a dit que d'après mon skill, eh bien, c'était plus simple de faire sans truc. Enfin, pas sans truc, mais... Putain, les touches! Pourquoi je fais carré tout le temps? Ça m'énerve, ce jeu, il est codé avec le cul. Pourquoi ça me donne pas les vraies touches? Attendez, il est là ultra... J'aimerais bien réussir à le taper. Au moins une fois, quoi. Allez, viens là, viens là. Tac! Mais... Supportable! Laisse-moi jouer! Wow. Vas-y, nique ta mère, là! Tu peux changer les touches si tu veux. Ouais, c'est vrai, mais... Un petit moment que je suis pas venu. Bah alors, comment ça se fait, mon cher Skyline? Faut venir m'encourager, là. Oh, je sens que ça va être long, ce boss. Je suis si nul aussi, ça m'énerve. Allez, on traverse le brouillard. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que ça mette Y, alors que ça correspond à rien à ma manette. Que je sois sur PC et sur une manette, ça met Y. Genre, me donnez pas une indication qui est fausse, en fait. Est-ce qu'on peut le faire tomber dans le vide? Ça serait pas mal, en vrai, si je me bats ici. Oh, mais j'arrive pas du tout à timer ces trucs, là. Vas-y. Je tape. Mais il passe pas en dessous! Il passe pas en dessous! On peut pas passer en dessous! Comment je fais? Trop fort, ce boss. Bon bah voilà, l'épisode du jour c'est essayer de tuer ce boss, jusqu'à que j'y arrive pas et voilà. Hop. Allez, on essaie de jouer bien, on lui fonce tout droit dessus. Ouais, je lui ai enlevé 264 HP déjà. Très très bien tout ça. Mais voilà! Mais pourquoi il esquive pas? Mais... Connard! Voilà, il a reculé. Ouais, j'étais plus trop de matin. Allez, c'est mon moment là. Voilà. Je me bats un peu de trop près là. Bon, déjà, je lui ai enlevé presque
un quart de sa vie. Peut-être que la lance serait pas mal. Non, je sais pas. Bienvenue dans les montagnes blanches, messire. Nous attendions votre arrivée. Merci beaucoup pour le follow, mon cher Liam. Installe-toi bien, ici c'est que du skill. C'est faux. Que de la souffrance. En fait, je comprends pas parce que je peux pas trop l'approcher le bougre. Hein. J'ai l'impression de pas du tout avoir le niveau. Hein. On va rebrousser chemin, je pense. Hein. Ça sert à rien de le faire. Hein. J'ai pas assez de niveau, c'est pas possible. Faut pas que j'aille ici. On est d'accord. Je tente une dernière fois, mais c'est pas. Je dois pas aller là, quoi. Je suis passé par là. Ouais, mais je pense pas avoir le niveau pour le faire. Je pense que. Il me dépeuvent dans tous les cas, quoi. Salut, tu es à quel niveau? Je sais plus, pas beaucoup. Je vais te dire ça dans un instant. Alors, je suis à niveau... Statut... Je suis niveau 16. Est-ce que niveau 16, ça suffit pour faire le perso? Apprends juste les patterns du mob. Oui, oui. Je m'y attelle. Bah, le début, ça va. 0 plus 0, ça fait 0, ouais, c'est... Du coup, j'ai perdu les 1500, terrible. Oh, mais tu casses les couilles! Putain, je t'ai esquivé! Connard. Ah, mais je suis pas mort. Quelle chance! Quelle chance de pas mourir maintenant! Vas-y, tu m'as saoulé. Aux aides du nombre de fois que tu meurs. C'est un peu juste si c'est ta première run, mais c'est possible. Ouais, bon, je vais rebrousser chemin, allez. Hop, je me casse. Je me casse, ça m'énerve. Je suis trop nul. Je vais retourner en arrière et je vais pex un peu. Je préfère être niveau 500 000 et tenir plus longtemps contre ce mob. Pour l'instant, j'ai aucune mécanique de jeu concrète, donc on va rebrousser chemin. On sait qu'il y a un boss ici, voilà, il est sur le pont, il va pas bouger, il fait sa vie. Allez, suivant, s'il vous plaît. Voilà, le jeu a bugué. Le jeu, il en a eu marre de moi, il s'est dit, vas-y, fuck it. J'en ai marre de lui. Il me casse la tête, il est trop nul. Regardez, le jeu, il a fait nope. Ah, le jeu s'est éteint. Le jeu, il s'est fermé. Il s'est dit, c'est mort. Tu arrêteras de jouer. Ok, on relance le jeu. Super, hein, super le jeu, quoi. Tu peux le battre. Non, je crois que je peux pas le battre, là. Je suis un peu trop mauvais. Le truc, c'est que j'esquive ces premiers trucs, ok. Mais j'arrive à aller une fois au cac contre lui, mais il faut faire ça 50 fois. Ça a l'air super chiant. Je pense qu'il y a des techniques pour lui faire beaucoup de dégâts, mais j'ai pas encore compris les combos ou utiliser les pouvoirs et tout. Je pense qu'il y a des pouvoirs à utiliser et tout. Par contre, pourquoi le jeu a crash, ça? Une bonne question, ça. Tu peux invoquer le sorcier. Bah toi, ça, je sais pas faire. J'ai pas compris comment fallait faire. Ok. Je te conseille d'améliorer tes armes, si tu as pas déjà fait, et améliorer un peu tes fioles. Ouais, mais le problème, c'est que je sais pas comment faire. Le jeu, il explique pas forcément ce que tu dois faire, donc je suis un peu en découverte. On est sur le troisième épisode. Ouais, je vais farmer. On va aller sur les petits mobs dehors, là. Faut que j'améliore mon skill. Ah, du coup, ouais, ils ont tous rip-hop. Allez, Zerbardi. Je peux te donner... Bah, mais n'hésitez pas à me donner de l'info, hein, ça y a pas de soucis, hein. Ok, ça c'est fait.
Attendez, on va reprendre le bouclier. Toi les parades, j'y arrive. Bon, je prends quand même un coup. Mais... C'est fou d'être aussi nul, hein. Ce que je m'en vois, c'est que je pars, mais... Ouais, c'est parce qu'en fait, sans faire souhait, je pars en arrière et du coup, bah, ça passe pas. Là par exemple j'ai paré, là je comprends pas parce que j'ai paré. Ça je comprends pas parfois, c'est que j'ai l'impression quand même de parer, mais ça ne part pas. Je pars! Je pars! Parer te coûte de l'endurance, la barre verte. Tout comme rouler et attaquer. Bah ouais, je suis d'accord, mais... Test 2. Test. Si j'y arrive, comment ça va? Excuse-moi, je souffre sur ce jeu. Qu'est-ce que je disais? Hello, sur un jeu skidhead, j'ai du mal à y croire. Salut, salut. Ouais, Pharamon, on n'est pas encore au point sur les mécaniques de jeu de ce jeu. Donc t'inquiète. C'est pas pareil que BFME en fait. Mais j'essaye d'apprendre. Attendez, parce qu'il y a l'autre qui est derrière là. Pourtant, toi, je comprends le truc, toi. Pareil. Je contre-attaque. C'est vraiment l'histoire du parage qui je trouve, à chier, je sais pas. Je comprends pas la mécanique du parage, mais... Les graines dorées et les larmes de vie sont les deux items à améliorer tes fioles. Les larmes de vie se trouvent la plupart du temps dans les églises. Des graines dorées sont souvent à côté de petits arbres d'or en général. Il y a deux zones. Ah, je suis lisible. Vraiment un jeu de fou. Ouais, non mais les parades c'est... Toi là par exemple j'ai paré. Ah mais c'est parce que j'ai plus d'énergie. Donc là il faut que je recule. Ok je... Ok. Sauf que là toi je me ferai un coup. Là on va parer. Pourquoi il cible le mec qui est tout derrière? Enculé de jeu. Pourquoi il cible le mec? Pourquoi il a changé sa cible? Là toi ça... Ah c'est parce que d'accord avec le curseur là je peux choisir. D'accord, ok. Non mais j'essaie vraiment de comprendre hein, le système hein, je... Je me dis, je suis pas... Vas-y. Arrêtez de me soulever. Je veux pas faire des parades tout le temps, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Toi, là, c'est drôle parce que du coup, ma parade, mon blocage ne servait à rien. C'est quand même drôle, hein. Je suis capable de tuer en faisant une petite parade, mais moi ce que je veux c'est bloquer. Toi là par exemple j'ai bloqué, mais ça servait à rien. Mais stop me soulever, j'en peux plus toi. Putain, je meurs face à des grosses merdes là. Ah ça frappe, allez. C'est bon, tout va bien.
C'est bon, je suis pas mort. Ouh. Pareil, un Gyarados, une simple dague, c'est pas la même chose dans le jeu. Tout un système de pause. Genre sur le boss, tu pourras pas parer la plupart du temps. Je pense que c'est pas worth de missiles là-dessus. Puis c'est lourd, un bouclier, parer. Mais esquiver, c'est mieux. Ok, ok, bon. Vas-y. On arrête de parer. On va essayer de faire des roulades. Et toujours cette touche de merde là pour monter à cheval là, j'en peux plus. Mais le cheval par contre c'est la meilleure chose au monde. Je le kiffe trop lui. Je le kiffe trop. Bon, écoutez, on va essayer de trouver un autre endroit qui m'a l'air sympa sur la carte. Pourquoi je peux pas ouvrir la carte? Ok, ça marche plus. Mais... Parce que je suis en combat, non? Comment ça se fait? Je peux plus ouvrir la carte en faisant ça? Attendez. Vas-y... Ah là. Voilà. Voilà. Il en reste un. Quoi? Monsieur, faut mourir. Ok, ça c'est fait. Bon. Et du coup, ah bah là ça marche. Ok, c'est parce que je devais être en combat. Ah, c'est vrai qu'il y a un méchant là-bas. Ouais, mais il avait l'air trop OP. Il avait l'air beaucoup trop OP. Donc attendez, on va changer. Pourquoi là, pourquoi des fois je peux utiliser la carte et d'autres non? Toi là, ça a marché. Ça a pas de sens. J'appuie sur la même touche. Donc là, il y a un boss. Ok. Là, par là, je l'ai fait un petit peu. Pourquoi je peux plus utiliser la carte? Pourquoi la carte s'est arrêtée? Je ne sais pas. Vas-y, on va se refaire le boss là-bas. Toi, celui-là, j'ai réussi à me le faire. Bon, à cheval. Mais là, le cheval, c'est trop bien. Le cheval, c'est génial. Donc, on va essayer de se le refaire pour faire un peu d'XP. Toi, lui, ça va, toi. Le fait de timer juste le petit coup comme ça. Hop. Toi, si je pouvais faire tout le jeu à cheval, moi, je le ferais à cheval, toi. Parce que c'est beaucoup plus agréable, je trouve. Ah. Bah oui, je l'ai pas touché, super. Wouhouhou. Youhou. Si des mobs t'ont repéré, tu peux plus ouvrir la map. D'accord, je comprends. Je comprends mieux. J'ai pas l'impression qu'il m'aime lui. What? Il faisait pas ça avant lui. Faisait pas du tout ça avant. Non, il t'aime pas. Bah, en soi, j'ai déjà tué lui. Il a juste respawn. Donc lui, je le connais. Lui, je le connais. Je sais comment le tuer. Ça, y a pas de souci. Toi, là, il a mal à la tête. Un peu comme vous, car je tombe dans tous les sens. Ah! Il m'a touché, chef. Non, mais ils sont nuls parce que plus tard, ça va être des chiens. Quoi? Comment ça, des chiens? Allez, il a un HP, là. Non, c'est bon, il est mort. Ok, il m'a rapporté pas mal d'argent. Des potions, c'est parfait. Pouvoir continuer notre découverte. Donc j'avais dit que j'allais par là, mais par là il y avait un boss. Que c'est un peu dangereux, je pense, d'aller par là. On va essayer de découvrir la carte et essayer de loot un maximum de choses. Rune dorée. Postulat de base. Personne ne t'aime dans les jeux From Software. Ouais, j'ai l'impression que. Pourquoi je suis descendu de mon cheval là? À quel moment tu. À quel moment il descend du cheval là? D'accord. Oh non! Le retour de ce malade mental là! Allez, je me casse. Il est relou lui! Il m'a déjà saoulé la fin de l'épisode d'avant et il revient. Et je peux pas monter sur ma monture! Oh là 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 là! Tu te fais envahir, donc plus de cheval. Je vais être bolos moi!
C'est pas parce que t'es niveau 50 que tu me fais peur. Oh, attends, parce que faut que j'utilise tous mes trucs. En vrai, il est tuable, non? Aïe. Aïe! Là, je peux parer contre lui? Pensez que ça part? Attends, je tente. Ça part rien du tout, hein. Rien du tout. Non, lui, on peut pas le parer, hein. Lui, c'est. Mais après, il a pas l'air très fort, hein, je trouve. Il est tuable. Bon, c'est juste moi qui suis mauvais, mais. Là, d'où je me le prends, là? D'où je me le prends? J'ai un HP, je vais mourir. Non, je vais mourir. Casse-toi. Pourquoi tu joues en multijoueur? Pourquoi je joue en multijoueur? Je sais pas, moi je joue pas en multijoueur. Pourquoi tu joues en multijoueur? C'est un mec en multi, lui, c'est un vrai joueur. Non, c'est pas un vrai joueur, lui. Il a un giga gourdin, tu peux détruire ton Indusi. Écoutez, on va faire ça à chaque fois, hein. Ok, bon là je me prends un coup, je meurs. Oh, le combat de teuteux, quoi. Putain, j'avais un coup. Il manquait un coup. Putain, il me casse les couilles. Le grid. Ouais, mais j'aurais dû attaquer plus tôt, en fait. Je me suis laissé taper toute la game, là. Putain, je suis vraiment nul, ça me pète les couilles. Et en plus, je retourne ici, j'ai envie de crever, quoi. Oublie pas que roll-in, c'est mieux. Roll-in, c'est mieux? Genre, en avant? Ça que tu dis? Ah, attends. Faut que je monte à cheval. Que j'ai retourné voir mon stuff. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Objectif, récupérer le stuff. Comme ça, tu peux l'auto, puisque t'as gap close. Mais Pharamon, me parle pas en termes trop techniques, là. Moi, je suis un noob. En gros, tu me dis, en gros, faire une roulade avant pour avoir l'avantage de pouvoir taper direct. C'est ça? Grosso modo. On va peut-être pas se le refaire, lui. Ok. C'est un peu un tuto du multi du jeu, lui. Mais c'est bien un mob. Vas-y, on va se le faire, on va juste récupérer le stuff. J'ai dû mourir par là. Quelque part dans les entrailles de cette forêt. Oh, attendez, il y avait un truc là. Ça pouvait être intéressant de le prendre. Attendez, on a repris l'argent. Là, il y avait ça. Non. Il y avait pas un autre truc. Bon, allez, go. Go se le faire, cette fois-ci on va y arriver. On est plus fort que lui. On est bien plus fort que lui. Viens notre bot là. Soras là. Roulade avant, auto, roulade avant, auto, etc. Ok. Bah écoute, on va tenter. Attends déjà. Ah oui, d'accord, ok. Ok, je comprends. Oula. Je comprends mieux ce que tu veux me dire, en fait. Ouais, ça a pas vraiment fait rouleau d'avant là. Et ça marche pas du tout. Supportable. Oh, mais j'ai l'impression que mon épée elle est trop courte. Mais ça va pas du tout. Ok, là j'ai. Dommage parce que le combat avait bien commencé, mais là il est en train de mal se finir, là, j'ai l'impression. Ok. Là il se met une petite protection. 3, 2, 1, hop.
s'arrête pas de frapper en fait. J'ai esquivé, chef! Vas-y, mais quand j'appuie, j'ai l'impression que ça répond pas. Oh, mais putain, mais je fais que de crever. Je comprends pas l'épisode d'avant là. J'avais enfin compris des trucs. Et j'ai l'impression de tout perdre à chaque fois. Genre d'être vraiment à chier quoi. En plus, je reviens toujours dans cette merde là. Oh, mais c'est chier ici. Laissez-moi tranquille! Ouais, mais l'épée à deux mains, elle est lente. Je vais rester au bouclier, hein. Mais le bouclier face à l'autre, ça sert à rien, j'ai l'impression. Bon, je me mets juste à tuer des petits mobs comme ça et être content. Arrête. Il tape fort le bouclier. Oui, le bouclier il est inutile. Oui, effectivement, je ferai plus de dégâts, mais je vais mourir plus vite. Après, je veux bien essayer, hein. Ah mince, je crois que c'est pas par là que je dois aller. Je dois remonter en haut. Voilà, c'est ici, il y a le monstre avec son épée ici, on le reconnaît, grave sympa. Je sais pas trop à quoi ça sert, les flora machin, les babyules, c'est pour faire des potions, non? J'ai pas encore trop compris le système de craft du jeu. On va juste aller reprendre son stuff tranquillement. Sauf que du coup, je vais déjà aggro le boss. Bon, on va essayer avec la lame à deux mains, voir si c'est pas mieux. Mais il va falloir que je time encore mieux les trucs. Là, c'est pas à deux mains que. Elle est pas à deux mains là? Vraiment, ne grille pas. Là, on est d'accord, elle est pas à deux mains, si. Parce que j'ai l'impression qu'il la tient quand même à une main. Non, une main. Ah, attendez, comment je fais du coup? Ah, d'accord, en plus, je peux pas changer en combat, super. Super le jeu. Ok. Comment je pourrais faire? Putain! Mais ce jeu de cul! Mais vas-y, j'en ai marre, ce jeu de merde! Pourquoi quand je fais option, genre ça met pas pause au jeu, genre? Il se dit pas, il y a peut-être un problème, il faut peut-être faire quelque chose, quoi. Sur manette, c'est LB plus X. LB. Triangle pour taper, hors menu. J'ai rien compris. Au revoir, Liam. Le passage à deux mains est merdique au possible. Mais j'ai l'impression que quoi que tu fasses dans le jeu, c'est merdique au possible. C'est insupportable. Pour prendre à deux mains, il y a un contrôle. Putain, mais les contrôles dans ce jeu, ils sont à chier, je trouve. Non, c'est moi qui suis à chier, le jeu est parfait. Hop, petit canasson. Triangle maintenu. Attendez. Bon, on va essayer de régler le truc avant. Oh, c'est pas mal ça en vrai. J'arrive comme ça, bam! Et ça, c'est une grosse attaque comme ça. Ok. Pas à cheval. Donc triangle. LB plus X. C'est quoi LB déjà? R1, LB plus X. Non, ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Je sais même pas ce que c'est LB en fait. Moi j'ai L2 et R2. Tu utilises de la mana, fais gaffe. Ah oui, j'en ai jamais utilisé en fait de la mana depuis le début. Ah oui, du coup là j'en ai réutilisé encore. Ok, je viens de comprendre que la mana en fait, les pouvoirs.
Ah. C'est bon, là je crois que je suis à deux mains. Là je suis à deux mains. Oh, mais je vais mourir, c'est sûr. Non, je déconne. Ah oui, du coup, je peux me défendre comme ça. 100% je crève. Ah oui, du coup, je suis beaucoup plus lent là. Là, je suis en mode guerrier. C'est-à-dire que là, je peux plus esquiver en fait. Je peux juste faire des petites roulades. Ok. Moi, je joue à deux mains, à poil. C'est mieux selon moi. Après, j'ai l'impression qu'il y a le gameplay qui convient à chaque personne, quoi. Bon, pour l'instant, moi, il n'y a pas grand-chose qui me convient, mais... Oui, monsieur, j'arrive. Je reprends juste mon argent. Ah, mon poteau. Le bouclier, ça sert à rien contre lui, à ce qui paraît. Attends, on va utiliser la mana. J'ai envie de voir ce que ça donne. Boum! Ah ouais, c'est cool! Ah ouais, mais du coup, beaucoup trop lent pour ce genre d'attaque. Ah bah oui, beaucoup trop lent en fait, par rapport à lui. Il faut au moins 20 minutes pour la faire, cette attaque là. Recule. Oh! Oh non, pas maintenant. Oh non. Pas maintenant, Zinedine. Pas maintenant. Allez. Mais pourquoi il a esquivé? Bon, bah on va tenter le tout pour le tout, hein. Yeah. Oui, je l'ai tué. Réfractaire vaincu. Oh punaise. Oh le bonheur. Bon, vous savez quoi, on va arrêter de jouer. Ça fait quoi? Ah, ok, je viens de comprendre quelque chose avec l'épée. En fait, je viens de comprendre comment utiliser le système de mana là. Ok. Bon, on va se remettre en mode bouclier. Bouclier épée. Ah, mais du coup, le bouclier, on peut pas faire le truc de mana avec, j'ai l'impression. Ok, donc en fait le bouclier il est plus relou qu'autre chose quoi, dans l'idée. Enlève pas le lock sinon tu vas taper à côté. Mais j'ai pas enlevé le lock hein. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'avoir enlevé le lock. Yo, Torchen, comment ça va? J'ai aussi tué un boss, enfin un boss, un pecno. Ah du coup il y avait rien d'autre ici, à part ça? Ou je peux rentrer à l'intérieur? Tout ça pour ça? C'est de la merde. Oh non, c'est vraiment nul là. Ah, ça m'embête là. Tu l'as enlevé trois fois pendant le combat. J'ai enlevé trois fois pendant le combat. Ça explique le système de PVP. Tiens, je vais me le faire. Il a l'air un peu nul. Boum! Pourquoi il appelle la lumière là? Il est un peu plus chaud qu'en fait. Boum, voilà! Boum, voilà! Oh non! Ah, attendez, on reprend un peu de vitesse. Voilà! Il est tombé de son cheval! Voilà! Ah, mais attendez, il ressemble au mec du camp là, le premier boss que j'ai fait. Oh mais tellement simple maintenant. Ah, oh, pas si simple que ça en fait. Attendez, on va se le faire. Boum. Oh, il est encore esquivé. Salaud. Voilà, hop, ça c'est fait. Il est mort. Fouf. Ah, j'ai plus de potion. Il aurait pu me redonner une potion, le salaud. Hein.
Nul, je me fais aller un peu nul. S'ajoute ici. Ouais, j'ai peut-être pris un peu la confiance face à lui. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. En fait, cette zone, elle est nulle parce que du coup, il n'y a plus rien à faire. Ah, faut que j'aille à gauche, je pense. Là, j'ai l'impression que j'ai pas fait ici. De toute façon, moi, j'ai toujours le cheval. Tant que je peux rester à cheval, je reste à cheval. Hop. C'est la meilleure chose au monde. Hop. Voilà, j'alterne entre épée et pas épée. Je vais rentrer à l'intérieur. Salut les potos, nouveau camp, nouvel horizon, attaque. Oh mais attendez, c'est encore un boss lui. Hop, on esquive. Voilà, on reprend un petit coup sur lui. Non, ça marche pas. Oula oula, il commence à y avoir du monde là. Esquive. Boum. Raté. Tu pouvais aller au Colisée. Ah, à l'intérieur, mais j'ai pas trouvé l'entrée. Ah 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 ah. Putain, mais ce jeu. Le cheval, c'est génial. Ouais, oui, c'est génial. Oh non, on me dit pas que je vais encore respawn au même endroit comme toujours là. Et c'est quoi effigie de Mikara par rapport au dernier site de grâce utilisé? Parce que le dernier site de grâce utilisé, c'est celui qui est relou là. Mais effigie de Mikara, j'arrive pas à savoir c'est quoi. Mikara, c'est le lieu de respawn le plus proche. Ok, bah vas-y, je fais ça. Ça lit le chat au milieu de 8 ennemis. Ah bah écoute, hein, ici on lit le chat. On lit le chat, ça c'est sûr. Je peux pas le dire le contraire. Bah ça tombe bien. Il y avait un lieu de respawn juste là, bah c'est parfait ça. Allez, on va essayer de les faire. En travaillant un peu plus la dextérité. Oh là là, monsieur. Ouais, y'a un warg. Un warg qui fait peur, mais y a un petit warg, un petit loulou. Mais je me fais bolos par un loulou. Bah c'est surtout les mecs au-dessus là qui me tirent dessus là. Attendez, on va tenter les compétences sur eux. Voilà, petite compétence de mana là. Voilà. Ah, je trouve les petites compétences, finalement, c'est pas mal. Hein. Finalement, dans le jeu, les compétences, ça sert, je crois. Hein. Du coup, si je prends ça... Bon, je sais plus comment on la met... Ah, merde, là, j'ai refait une compétence. Oh, attendez, je peux peut-être me le faire, l'autre. Attendez, lui, on va déjà le... Ouais, mais je me sens pas à l'aise avec ces armes là. Je me sens pas à l'aise du tout en fait. Non, je vais juste crever. Hein. Enfin, je me sens qu'à l'aise sur ma monture. Voilà, sur ma monture, c'est vraiment. Je me sens comme chez moi. Je trouve ça tellement plus agréable à jouer. Le gameplay est plus rigolo. Oh là là. Voilà. Voilà. Mais monsieur, faut taper. Voilà. Ah. Allez, un dernier coup. Voilà, c'est bon, c'est fait. Les autres, c'est des petits larbins, on s'en fiche. Ils sont nuls. Ah, il m'a redonné un pavois. Mais je peux pas l'utiliser. Bon, le chien de garde, tu vas rester tranquille. Allez, on va récupérer... Ah oui, c'est vrai que j'avais pas récupéré mon stuff. Le plus important. Attendez, on va descendre. Pour récupérer ça. Oh, je me fais bouffer par un loup quoi. Ça va le loup là, je te dérange pas. Il est fou lui. Quand même. Tu peux le prendre à cheval. Oui, c'est vrai que j'aurais pu le prendre à cheval, c'est vrai.
Non mais vous avez raison, le cheval c'est trop génial, on pourrait... On peut améliorer son cheval de guerre ou pas? Enfin, est-ce qu'on peut améliorer son cheval plutôt, tout court? Encore? Supportable ces loups. What? Pourquoi c'est la gling gling? Gling 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 gling, c'est l'heure! Faut y aller! Je sais pas par où je vais, mais j'y vais. Oula! Je reconnais, c'est un méchant là, pas beau. Attendez, on va redescendre de cheval. Toucher la grâce. Ok, je vois qu'il y a un boss là-bas. Est-ce qu'on n'irait pas se le faire? Il a l'air facile le boss quand même. Ah! Bonjour madame! Pardonnez-moi, je vous mettez à l'épreuve afin de déterminer si la grâce guide réellement vos pas. Et si vous êtes de taille à affronter les défis que cela implique, il semblerait que mes craintes ne soient pas fondées. Doran vous avait cerné dès le début, tandis que moi je faisais semblant. Il n'est qu'un seul point sur lequel je puisse vous guider. Je peux vous conduire au bastion de la table ronde, lieu de rassemblement des champions sans éclat, guidés par la grâce. Allez, au bastion de la table ronde. J'y vais ou j'y vais pas? C'est bien ou c'est pas bien? Je sais pas moi. Est-ce que c'est sympa? Oui, allez, fort bien. Permettez-moi de poser mes mains sur vous, l'espace d'un instant. Allez-y, madame, madame, posez vos mains. Oh, vous avez les mains douces. C'est le guerrier qui a affronté des démons et tout. Bastion de la table ronde. Le bastion de la table ronde est un lieu où se rassemblent les sans éclat guidés par la grâce. Tout combat y est prohibé en raison d'un antique pacte de non-agression. Le bastion de la table existe en dehors du monde et n'est accessible que via la carte. Ok. Bonjour, bonjour, enchanté. On dirait un peu un Nazgûl, non? Vous trouvez pas? Genre un peu un Nazgûl mais à la retraite. Bonjour madame. Je suis censé faire quoi ici? Que la grâce vous soit accordée. Ok. C'est le hub du jeu avec les PNJ importants. D'accord. J'ai un peu la flemme de parler à tout le monde pour l'instant. Vous savez, tant que mon skill n'est pas évolué... Et je fais comment pour revenir là où j'étais avant? Je suis en train de tout casser quoi, ça n'a aucun sens. Waouh, en vrai c'est classe. Yeah, c'est classe. À court d'endurance, 3 devant. Ok. Bon, je suis pas censé casser des choses. Bon, ce qui est drôle, c'est qu'ils disent oui, pas d'épée et tout. Par contre, je suis avec mon épée, mon bouclier. Genre, même pas, ils les mettent de côté, quoi. Non, on sait jamais. Ouvrir. Tu as un marchand, un forgeron pour améliorer et autres trucs. Ok, ok, bon. J'ai quand même vite fait leur parler alors. S'il y a un forgeron. Je pense pas que lui, ça soit un forgeron, le vieux pépé là. Ah, par là, ça me semble assez intéressant. Ah. Lui, c'est un forgeron. Lui, ça se voit. Il a une tête de forgeron. On va lui parler. Je ne vous connais pas, vous. Peu importe, ça ne change rien. Faites-moi voir vos armes qu'on puisse s'y mettre. Renforcer une arme. Ah, bah voilà, ça, ça peut être sympa. Ça, ça fait quoi? Bah, en vrai, pour l'instant, je vais peut-être améliorer les armes que j'ai. À moins que... Cendre de guerre, c'est quoi? Depuis le menu, vous pouvez utiliser des centres de guerre pour octroyer des affinités des compétences à vos armes auprès d'un site de grâce. Une arme peut posséder qu'une seule compétence. Oui, ça je crois que j'avais déjà vu. Si je fais ça... Ok, pas vif. Coup en PC, physique... donc ça augmente les attributs de mon arme en fait. Détermination. Donc là on voit les stats qui montent, qui baissent et tout. Donc là par exemple ça fait moins de dégâts. Mais le coût en PC est beaucoup plus faible. Après, j'ai pas forcément besoin que ça baisse. Ah, par contre, là, le coût PC augmente fortement. Mais le truc de sacré, je sais pas trop ce que c'est. Bon, ça, c'est pour mettre des attributs sur les armes. Coût en PC. Serment doré.
Je sais pas trop pour l'instant, donc duplication de sang, vendre. À propos de vos des chaînes sur vos jambes, c'est quoi ça? Ah oui, non, d'accord, c'est pour ses explications avec lui. C'est la technique de ton arme et change un peu les stats par rapport à l'affinité. Bon, c'est quoi, on va améliorer ça. Hop. Vous n'avez pas assez de composants. Bon, on va améliorer ce qu'on a pour l'instant, vas-y. Hein. Autant améliorer. Hop. Ah, on peut vendre. Déjà de retour? Oui, c'est moi. Vendre. Ça, c'est quoi? Renforce temporairement les attaques physiques. Hein? Matériaux servivant à fabriquer. Ok, donc pas forcément intérêt à vendre. Matériaux pour fabriquer. Matériaux. Renforce les armes jusqu'à plus 3. Renforce les armes jusqu'à plus 1. Et du coup, comment je peux utiliser ces trucs-là sur... J'ai bien envie de tester un truc. 104 plus 25 D, dextérité, force. Aucune. Bon, autant utiliser, on verra bien ce que ça fait. Et renforcer une arme. Bon, je peux rien faire d'autre après. Par contre, ça m'intrigue du coup dans mon inventaire que j'ai du coup des trucs qui permettent d'améliorer ça là. Laisser quantité, je peux pas les utiliser du coup. Ok, bon, écoute, il y a des choses que je peux pas utiliser, donc c'est cocasse. Et ici c'est quoi? C'est une madame qui est fatiguée, ouais, là, sa petite chambre et tout. Bon, c'est quoi? On va repartir d'ici. C'est très sympa, hein, c'est cool. Merci pour votre accueil. À bientôt. La porte ne bouge pas, super. Bon, ok, je peux pas partir. Bonjour monsieur. Affinité lourd correspond à la force et acéré correspond à la dextérité. Qu'avons-nous reçu pour la dernière fois au nouveau sein? En vertu de mon ancienneté, je vous souhaite la bienvenue. Ce lieu est sûr, ne vous craignez rien ici. C'est gentil, merci. Aucune règle de consolidation est associée. Ok, enchanté, bonjour monsieur. Ah bonjour, vous venez d'arriver, je suis votre jeu. Eh bien appelez-moi Dialos. L'honneur de la maison est de l'importance de cette terre. Au fait, auriez-vous creusé une femme répondant au nom de Lania au cours de votre périple? Il s'agit de ma servante, mais elle est très volatile. Quittez-la des yeux ne serait-ce qu'un instant et la voilà disparue. Ok. Et je fais comment partir? Aidez-moi à l'aide. Ah, une nouvelle recrue. Bienvenue au bastion, je suis Colin. Un ecclasiatique, le fameux. J'enseigne des incantations à un puissant savoir que nous tenons des deux doigts. Et je cherche à percer les secrets de l'ordre d'or. Dans l'espoir qu'un jour, si un sans éclat de la table ronde devait accéder au titre de seigneur d'Elden, je puisse lui servir de conseiller. Je veillerai ainsi que le monde des hommes soit soumis à une loi juste. À ce propos, le voyez-vous toujours, la grâce censée nous quitter? Je la vois, vraiment, excellente nouvelle. La plupart des sans-éclats semblent aveugles de nos jours. Les gens, tout comme vous, se font bien rares. Eh bien, qu'en dites-vous? Souhaitez-vous apprendre une incantation à deux doigts? Bah, let's go! Moi, je suis le maître des incantations, en fait. Soit une petite quantité de PV, soit une vos alliés proches et vous-même, soit une l'empoisonnement et dissipe les poisons, augmente la résistance aux dégâts magiques, augmente la résistance aux dégâts de feu, produit une onde de choc qui repousse les ennemis, projette une flamme depuis la main du lanceur, projette une boule de feu ardente. Ah, ouais, ouais, ouais! Vous voulez que je prenne quoi? Coup en PC 11. Ah, donc là, j'ai pas assez de foi. Ça, je peux par contre. Embrasement, je peux. J'hésite entre embrasement et soin d'urgence. Je sais pas ce qui est le mieux pour moi. Salut, Elden Ring, pas trop dur? Si, si, c'est très très dur, mais on s'y accroche. Allez, le chat, je vais choisir soin d'urgence ou embrasement. En vrai, pour moi, peut-être le soin. Oui, il a rien d'autre à me proposer. C'est vraiment parchemin, quoi. C'est drôle, ils se sont rangés différemment. Putain, le chat, là. Je vous pose une question, aidez-moi. Tu m'étonnes qu'il est dur, meilleur Souls jamais fait. Ah, il est, ouais, il est stylé, quand même, mais... Bon, allez, je prends ça. Et je prends ça. Je prends les deux, comme ça. Comme ça on est bien, quitté. Puisse l'ordre guider vos pas. Merci, merci, merci.
J'ai pris les deux, c'est des compétences, je pense. Tu veux de l'aide? Bah oui, je sais que ça, demander de l'aide. Regarde le message. Ennemi droit devant. Ah ouais? Ok, lui, je peux pas lui parler. Donc là, je suis bloqué dans cet endroit, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Bonjour madame. Acheter, offrir une perle. Vous n'avez aucune perle. On me demande pas d'offrir si je peux pas. Ah, c'est pas mal ça. Un arc. Oh, on peut jouer à l'arc. Oh, est-ce qu'il n'y a pas une arme qui serait meilleure pour moi? Miroir de l'hôte. Cimeter, dague, hache, saut doigt, écu. Bon, pour l'instant, je vais pas trop. Mais je peux pas sortir de cet endroit là. Vous m'avez envoyé ici, mais je peux pas sortir. Comment ça, je pète une table juste en marchant dessus là? C'est quoi ce délire? Donc là, je suis bloqué à jamais. Je peux plus sortir. Genre, la porte est fermée. Hey, je te connais toi. Je t'ai vu à Valley McKay hier. Qu'est-ce qu'il raconte? Lisez le message. Boss nécessaire droit devant. La porte ne bouge pas. Non mais je comprends toujours pas en fait. Aidez-moi. Aidez-moi. Pour partir c'est avec... Ah, faut... Avec la map. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'autre moyen de partir en fait. Je crois que j'étais là. Voyager vers le pont Saint. Ok, on est de retour ici. De toute façon, on va pas tarder à arrêter. Mais est-ce qu'on tenterait pas d'abord de tuer ce boss? Ah non, attendez, faut que j'augmente le niveau avant. Faut que j'augmente mon niveau. Attendez. Hop. Il faut que je fasse monter niveau. Mais j'ai même pas assez pour monter mon niveau. Donc j'aurais monté aucun niveau aujourd'hui, à force de mourir. Lui, il a l'air grave chaud en vrai. Vas-y, je tente de me le faire. Après, il a l'air un peu bête. Ah. Il a l'air un peu bête, mais... J'ai l'impression que c'est sa technique d'attaque, lui. D'être un peu bête. C'est d'attaquer avec sa tête. Tu vas racheter, lol. Oui, bah sûrement. Hein. On va y aller tranquillement. On va pour l'instant essayer d'apprendre. Ah, il me voit quand même. Hein. Il a pas perdu toute sa tête. Hein. Bon, bah, j'arrive même pas à le frapper, donc ça va être compliqué. Bon, ça va. En vrai de vrai, je pense que je me le fais. Ah là. Il a pas énormément de vie. Plutôt lent, donc ça va. Voilà, ça c'est fait. Allez, raboule. Raboule la moula. Et du coup, normalement, je peux améliorer mon stuff là. Je peux monter un niveau. Hop. Ah mais du coup il va respawn. Troll. La force. Je pense que c'est la force qu'il faut que j'augmente là actuellement. Allez, du coup il va respawn. Bon ça va. Au final lui il était facile à battre. 1h14. Bon on arrête bientôt. D'apprendre vraiment le timing parfait pour lui. Tac, voilà. Voilà toi, et en vrai il me rapporte 320 à chaque fois. Donc en vrai il y a un truc où tu viens, tu sauvegardes, tu viens, tu sauvegardes, tu viens, tu sauvegardes. À moins que les mobs donnent de moins en moins. Nécrolimbe. Je suis dans une nouvelle zone. Enchanté Nécrolimbe, ça a l'air très sympa ici. Stop this. It was me. It's all my fault. Please,
putain là, mec. Enchanté. Excusez-moi monsieur, je voulais pas vous faire de mal. Enfin si, un peu quand même, mais... Oui, je m'attaque aux tortues, je suis un monstre, je sais. Je me dis peut-être les tortues elles donnent des trucs de ouf. Non, 4, pas ouf. Ah, de la viande de tortue, je sais pas si c'est vraiment utile, mais... C'est marrant, ça me dit quelque chose ici, on dirait que je suis retourné au début du jeu. C'est bizarre. Fais-le à pied et change d'arme, ça prend trop d'endurance. Comment ça? Ah, le boss, tu voulais que je le fasse à pied? Jamais de la vie, j'ai réussi à pied. Hein. Je te dis, moi, je suis juste bon à cheval, c'est tout. Sinon, le reste, je suis en nul. Bon alors, Timon, qu'est-ce qui t'arrive? C'est bizarre ici qu'il y a des ours comme ça. Il va tuer tous les PNJ. J'avais compris que c'est un PNJ, mais je voulais pas lui faire de mal. Je suis gentil, moi, à la base. Aussi, ils veulent tous me buter dans le jeu, donc forcément, moi, je prends mes précautions. Toi, j'attaque direct. J'attends de trouver un spawn. Enfin, un truc de... Oh, bah parfait, ici. Tac, petite grâce. Trouver la grâce. Oh, il y a un mec sur son bateau. Il m'intrigue. Pourquoi il est sur son bateau, lui? On peut y aller ou pas? Village des eaux. What? Noché Diafne, c'est qui ça? C'est lui? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok, donc il est pistolet. Tu as trouvé un boss, courage, il est pas dur. Ah, bon bah ça, s'il est pas dur. Je peux me le faire en 5 minutes. Grosso modo. Pour l'instant, on le maîtrise, on le maîtrise. Enfin, pour l'instant, je l'ai pas vu le boss. J'ai l'impression que pour l'instant, il m'envoie juste ses fidèles. Eh ben, je suis pas prêt de le tuer, le boss. Hein? Ah, attendez, on va changer d'arme. Ce sera un peu plus rapide. À cheval! Allez, meurs! En chance! Ah là! En fait, je préfère cette arme. Il en a pas marre d'invoquer des gens, lui? Mais merde, là, le mec sur son bateau là. En fait, c'est ça le boss et il m'envoie 500 millions d'hommes. Ah, mais en fait, si, je lui ai fait des dégâts. Hein. Donc, c'est bien ce truc là? C'est facile en fait. Oula! What? What the fuck? Pourquoi il m'a roulé dessus avec son bateau là? J'avais pas compris que c'était lui le boss en fait. Le mec sur son navire là. Navire un peu pourri là. Oula, oula, oula. Ok, donc là il est parti. Là, il rappelle ses potes. Oh, j'ai jamais été aussi bien pour faire un boss là. Imaginez, j'y arrive du premier coup. Imaginez. Dans un monde merveilleux où je le maîtrise. Oh, punaise. Ah, c'est dark, c'est dark, c'est dark. Bonjour, alors comment vas-tu? Bah écoute, ça va, on se fait un petit boss là. Pour le beau jeu. Pour finir en parfaite harmonie ce live. Pour l'instant, ça va, il est bientôt midlife. Je suis plutôt content. Oh non, il a disparu. Où es-tu? Hop. Hop.
Ah. Il est reparti là-bas, il est reparti là-bas. Merde, je l'ai raté, je l'ai raté. J'ai touché, chef. J'ai touché, chef, j'ai touché. Je l'ai retouché, chef. Bon, on va faire quoi? À chaque fois que je le touche, vous mettez dans le chat gronde. Comme ça, on verra si je le touche beaucoup de fois. Ok, on fait comme ça. Suivez le rythme. Oula, c'est qui lui? Attendez, faut que je le retrouve, le boss, il est où? Il est reparti là-bas. Moi, il me plaît bien ce boss parce qu'il est pas trop méchant, je trouve. Après, voilà, j'ai pas encore découvert toutes ses facultés, j'imagine, mais. Ah, toi là, par exemple, quand il se met en mode bateau, c'est un peu mauvais signe. Voilà. Eh, je l'ai touché là, vous avez pas écrit gronde. Vous êtes censé écrire gronde, hein, dès que je tape. Hein. Enfin, dès que je le tape lui. Hein. Voilà, ça touche. Lentement mais sûrement. Voilà. On essaie d'indiquer un peu la menace. Voilà. Oula. Voilà. Oula. Esquive. Boum. On touche. Oh, il m'a touché. Il a pas l'air content, il a pas l'air content du tout là. Je l'ai un peu énervé. Ah merde, il refait sa compétence de fou là. Ah, en fait, il balance, il projette de l'eau. Gronde. 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 On va y arriver, on va y arriver. Oh, en plus, il tue tous ses potes, c'est génial. Parfait ce boss. Merde, il est reparti. Donc, il est sûrement parti là-bas. Voilà. Boum. On le tempo, on le tempo, on le tempo. Boum. Putain, je vais tuer mon premier boss du jeu. Oula, attendez, il fait une incantation chelou. On va éviter de le déranger. Ouais, là il est en mode vénère. Ah là, il a plus qu'un HP. Non, je l'ai raté, je l'ai raté. Oui. Ennemi battu. Oui. La cloche Ment d'esprit vous permet d'utiliser des cendres pour invoquer toute une variété d'esprits. En général, l'invocation d'esprits consomme des PC. Vous ne pouvez invoquer qu'un seul type d'esprit à la fois. Il n'est pas possible d'invoquer des esprits en multijoueur. Oh, oh, j'ai gagné. J'ai réussi à tuer un boss. Et bah voilà, c'était facile. Franchement. Et là, ça dit même pas GG dans le chat, quoi. Voilà, le GG. Bonjour monsieur, enchanté. Laissez-moi deviner, vous êtes sans un éclat. Et vous possédez un talent certain pour arracher les mortes fleurs? Oui, c'est moi, enchanté. J'ai pas envie de vous parler en fait, hein. Je pensais que vous alliez me donner un truc ou me remercier, mais même pas. Hop, on va juste récupérer les petits trucs. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Mais en tout cas, on a réussi, on a tué notre premier boss. Si ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas beau, je sais plus quoi faire. Hein. Et du coup, on va pouvoir passer à un nouveau level. Monter de niveau. Alors, la dextérité, l'intelligence, je sais plus ce que je devais augmenter déjà. La vigueur, ça, c'est sûr. L'endurance et la force, je crois. On peut-être augmenter l'endurance. L'endurance, ça peut être pas mal. Hop, confirmé.
Et bah voilà. Et bah écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode. On aura tué notre premier boss sur le jeu. Donc je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure merveilleuse, avec beaucoup de rage, mais en fait j'ai l'impression que le début de la vidéo c'est toujours terrible, et la fin c'est mieux, toi, ça remonte à chaque fois, donc c'est plutôt bien. Donc je vous dis au revoir, et abonnez-vous.